Et pour en parler, nous retrouvons Mélinda Mellini, journaliste en direct de Londres. Bonsoir Mélinda. Bonsoir Manel. Alors on a vu, les Britanniques sont très attristés par ces disparitions de la reine Elisabeth II. Beaucoup ont rendu hommage à une reine qui était très populaire dans son pays comme ailleurs. D'ailleurs, que pouvez-vous nous dire davantage sur le climat qui règne en ce moment à Londres? Quelle est l'atmosphère sur place? Eh bien Manel, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de monde devant le palais de Buckingham Palace. Je pourrais même dire des milliers de personnes venues pour rendre hommage à Elisabeth II. Ils étaient nombreux depuis ce matin, certains venus de très loin, à avoir attendu plusieurs heures dans des files d'attente pour déposer des fleurs devant les portes de Buckingham, le palais qui a été, rappelons-le, la résidence officielle de la reine pendant de très nombreuses années. Alors sur place, j'ai pu voir des regards figés, pleins d'émotions. J'ai pu entendre le même qualificatif dans la bouche de nombreux Britanniques. Certains m'ont confié qu'elle était le symbole de toute une époque, la grand-mère de la nation, un roc, une icône et plus encore l'incarnation du pays. Et puis parlons de ce grand moment d'émotion. Lorsqu'est arrivé le roi Charles III accompagné de son épouse, Camilla, la reine consort, et pour cause, c'était la première fois qu'il venait à la rencontre du peuple britannique en tant que roi. Certains ont pu serrer la main au nouveau roi, d'autres ont chanté l'hymne national du pays, God Save the Queen, en remplaçant les paroles par God Save the King. Après ce bain de foule, Charles III s'est entretenu avec la première ministre, Liz Truss, avant de prendre la parole dans une vidéo enregistrée pour rendre hommage à sa mère, de la reine Elisabeth II. Une allocution d'un ton sobre et confiant, dans laquelle il a notamment promis de servir les Britanniques toute sa vie, comme sa mère, enfin. Et vous l'avez dit, hein, il faut savoir que si Charles est roi dès la mort de sa mère, il sera officiellement proclamé demain samedi au palais de St James à Londres par le conseil d'accession qui comprend notamment certains membres de la famille royale, du Premier ministre, de plusieurs ministres d'État. Et pour la première fois de l'histoire, cet instant sera filmé et diffusé à la télévision. Et le deuil, Mélinda, va durer 10 jours en Royaume-Uni. Comment se préparent les funérailles de la reine Elisabeth II? Bien écoutez Manel, tout a été organisé au millimètre près, réglé comme du papier à musique. Les jours qui suivent la disparition de la reine sont en effet encadrés par un minutieux protocole écrit à l'avance. Toutefois, la date des funérailles de la monarque n'a pas encore été précisée par le palais de Buckingham, mais l'on sait que selon la tradition, les funérailles d'un monarque ont lieu 10 jours après son décès, soit le 18 septembre pour la reine, mais le calendrier pourrait bousculer un tout petit peu cette habitude. Cette année, le 18 septembre, tombe en effet un dimanche, un jour sacré dans l'église d'Angleterre, dont Elisabeth II était, vous savez, la gouverneure suprême. Après les funérailles, la reine devrait être inhumée en privé dans la chapelle du château de Windsor. Merci Mélinda Mellini, journaliste. Vous étiez avec nous en direct depuis Londres.